Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme annoncé la semaine dernière, nous allons voir comment remettre votre PC dans son état initial. Donc, il va nous falloir 5 petits programmes, dont Malwarebytes, Adobe Decliner, qu'on peut télécharger ici. Vous suivez les instructions, il n'y a rien de spécial. Bon, ça, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé de mon côté, donc je vais annuler. Rien de spécial pour le téléchargement. Ensuite, nous allons avoir disque défrag pour la défragmentation de notre disque dur. Donc, on le télécharge ici. Voilà. Pas de souci pour le téléchargement, en principe. Oui, surtout comment attention, hein. Il y a comment des fois il y a des logiciels tierces qui viennent se dégli comment qui viennent se glisser dans le programme, donc je vous conseille fortement de tout décocher ces petits logiciels tierces. Ensuite, nous allons aller chercher CC Cleaner, qui est un programme de nettoyage également. Donc, comme tout à l'heure, pas de soucis spécialement. Simplement, si votre comment c'est débarquement immédiatement, pardon, cliquez ici là où il y a la petite flèche, hein, qui doit. Voilà. Ensuite, nous avons téléchargé le logiciel à partir du serveur. Comment il s'appelle déjà, lui? Dravet Cloud. C'est un programme qui va vous servir à mettre à jour vos pilotes vos divers pilotes, carte mère, pilote graphique, pilote son, etc. Ceci étant fait, nous allons aller chercher un Revo qui va nous permettre de désinstaller les programmes obsolètes, les programmes tout que nous ne servons plus et qui prennent de la place sur notre disque. Par exemple, des logiciels que nous avons testés qui sont arrivés en fin de vie. Voilà, ceci étant fait, on va pouvoir commencer à travailler correctement. Donc, on va commencer par lancer, comment il s'appelle, Adobe Cleaner, qui lui est un logiciel qui va nous débarrasser des éventuels virus, malware et autres cochonneries qui nous envahissent et qui retardent, qui comment qui pas qui retardent mais qui diminuent la vitesse de notre ordinateur et qui finalement nous embêtent. Donc là, je vous laisse un petit peu voir. Donc là, j'ai lancé sur cette machine. Cette machine est en fait une machine que je me sers uniquement pour les essais, etc. Donc en principe, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes dessus. Donc on va attendre un petit peu de notre rapport, le voici. Donc on s'aperçoit que on peut aller voir dans les fichiers, dossiers, etc. Il n'y a rien de méchant installé sur cet ordinateur. Donc on peut considérer qu'elle est saine. C'est OK. Donc là, ensuite, nous allons désinstaller les programmes qui seraient inutiles, ceux qui ne servent à rien. Également des programmes que nous avons essayés, qui sont arrivés au bout de leur vie, hein, quelque part, puisqu'il ensuite il faut acheter le produit pour pouvoir continuer à l'utiliser. Donc en ce qui se concerne, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une machine qui me sert uniquement à des essais. Mes enfants s'en servent un petit peu également. Donc il y a des jeux dessus, par exemple celui-ci. Bon, apparemment il faut que je ne l'utilise plus, donc je vais le supprimer. Donc, on clique dessus, clic droite, désinstaller. On attend un petit peu, voilà. Il me demande si je veux vraiment désinstaller, j'ai dit oui. Ok, et c'est parti, il me désinstalle. Ok, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous voyez ici, on va pouvoir scanner notre disque dur à la recherche des éléments qui seraient encore sur notre disque. Donc là, il est en train de rechercher, vous allez voir qu'il va en trouver. Une arborescence qui va se créer, voilà. Et vous voyez ici, là, dans ce qu'on parlait l'autre jour, dans le registre, il existe plein d'éléments qui finalement n'ont pas été virés. Donc on va les supprimer. Voilà, on sélectionne tout, on les supprime. Et on dit OK. Et encore une fois,
Il y en a encore d'autres qui apparaissent, alors même opération, hein, on sélectionne tout, bon, et on supprime. Et là, vous avez la garantie que votre programme, votre logiciel, votre jeu est complètement désinstallé de manière efficace. Ensuite, on va aller chez, comment sur le programme CCGrainer, puis on va vérifier un petit peu ce qui nous reste. Donc on va nettoyer notre navigateur. Donc voici, pour l'instant, les pages qui ont été visitées sur le navigateur, on va les effacer. Voilà. On dit OK, c'est bon. Donc elle est effacée. Là, ce qui s'affiche maintenant, ce sont les éléments qui ont été effacés. Ensuite, on va aller voir sur notre registre. On va, pareil, on va faire un scan. Voilà. Bon, comme celui-ci a déjà été nettoyé, donc évidemment, il ne reste pas grand-chose à enlever. Donc, je vous rassure, c'est complètement sans danger cette fois-ci. Hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous allez pouvoir faire une sauvegarde de votre registre. Donc, ce sera un fichier texte avec l'extension REG qui vous permettra, si vous souhaitez, de rétablir ce que vous avez supprimé, donc les entrées que vous avez supprimées. Donc ici, c'est pour désinstaller les programmes avec toutes les fonctions que vous voyez sur votre droite, rien de compliqué. Voilà, donc il faut savoir que CCGrainer n'est pas un logiciel gratuit, il a une durée de vie de, je crois, une quinzaine de jours. Après, si vous le souhaitez, vous l'achetez. Mais voilà, pour ce qui me concerne, il fait son boulot pour l'instant et ça nous suffit. Ensuite, nous allons mettre à jour nos pilotes. Alors pour ceci, simplement vous téléchargez, vous lancez le programme que vous avez téléchargé. Donc vous allez directement sur le site. Donc là, le spécial, ici, c'est un petit peu ce qui concerne votre ordinateur. Donc vous cherchez vos pilotes. Voilà. Donc sur ce TPC-là, on s'aperçoit qu'il y a deux pilotes qui semblent être obsolètes. Donc il vous suffit simplement de cliquer à droite sur ce petit bouton là et le télécharger directement sur le serveur de Driver Cloud. Voilà, vous pouvez le lancer ici. Voilà. Généralement, je tiens à le signaler, c'est que ces fichiers téléchargés sont en format compressé, donc il vous faudra un décompresseur tel que RAR et RAR. Voilà, je crois qu'on en avait déjà parlé de ça. C'est une fois terminé, vous n'avez plus qu'à installer votre pilote. Et l'affaire est faite. Ensuite, étape suivante. Attendez, je coupe tout ça. Voilà, ceci étant fait. Donc, étape suivante. Je vais relancer un coup de AWCliner pour voir, puisque nous venons de télécharger des pilotes, donc pour voir s'il n'y a pas de conneries dedans. Donc voilà, c'est fait, normalement il ne devrait rien trouver. Voilà, donc on laisse aller, donc j'ai mis un petit point d'accéléré, de manière, puisqu'on l'a déjà vu au départ. Donc ensuite, nous allons aller chercher msconfig. Donc en bas à gauche, hein, vous cliquez ce petit bouton, et vous tapez en bas dans la commande msconfig. Ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. Donc on va aller voir ce qui s'y passe dans le menu démarrer. Donc vous décochez les cases sur lesquels vous ne souhaitez pas que l'ordinateur démarre. Non, ça évite, ça améliore énormément les tests de démarrage. Et ensuite, vous allez dans Service, vous décochez les produits Microsoft et pareil, vous retirez tout ce qui ne vous intéresse pas. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, on pourra toujours y revenir. Hein. Allez, ça se décoche, vous faites ce que vous voulez. Évitez de décocher par exemple votre antivirus, ce serait un peu bête. Voilà, ceci étant terminé, il va vous demander de redémarrer, je fais pas, mais vous pouvez le faire, hein. Il faut le faire d'ailleurs. Ensuite, une fois que tout ça est fait, là je vous conseille de faire ça au soir, parce que si votre ordinateur n'a pas été défragmenté depuis un certain temps, ça risque de prendre du temps. Donc là, on a utilisé notre défragmenteur que nous avons téléchargé tout à l'heure. Et on va s'apercevoir que mon disque là, vu qu'il y a très très longtemps qu'il n'a pas été défragmenté, vous allez voir un petit peu le nombre de petits carrés rouges qui correspondent aux fichiers fragmentés qui vont apparaître. Je vous laisse découvrir un petit peu. Je crois que celui-ci était défragmenté à 27% lors du tuto. Donc depuis, bien entendu, je l'ai défragmenté, donc ce qui lui permet quand même d'aller plus vite. Voilà.
Alors ça, je vous conseille fortement de le faire un petit peu juste avant d'aller vous coucher parce que ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire dans certains cas. Regardez celui-ci dans l'état qu'il est, hein, 27%, c'est quand même pas rien. Voilà. Donc ça, il faut savoir que ça va améliorer la vitesse d'accès à vos fichiers d'une façon franchement correcte, hein, si je puis dire. Voilà, mon tuto est terminé, je vous dis à bientôt. Salut!